on est reparti. On va voir, peut-être qu'on va combattre quelques immortels. Ils sont bien armés, hein. Ils sont si nombreux. C'est quoi ça? Je laisse ces notes à celui qui aurait l'infortune de marcher sur mes traces. Mes blessures sont plus graves que je ne le pensais. Elles ne guériront pas. Ce soir, je ferai une dernière tentative pour m'évader de ce tombeau de glace. Je doute d'en avoir la force. La source divine est là, au sommet de la plus haute tour. Mais elle est hors de ma portée. Grâce à la source, l'armée d'immortels du prophète est invincible. C'est une armée de spectres et de démons incapables de mourir. Un pied de nez à l'encontre de la création. Ils n'ont plus rien d'humain. Et ils vaincront quiconque se dresse sur leur chemin. À chaque mort et à chaque renaissance, ils apprennent. Ils s'adaptent. Si la Trinité parvenait un jour à se l'approprier, je crains que le résultat soit le même. Peut-être vaut-il mieux qu'elle reste perdue à jamais. Peut-être. Encore un feu ? Ah ben, putain. Chaque fois, il manquait des feux. Par où on passe ? Là. Merde ! Oh la vache. Ah non. C'est juste une main, c'est juste une main. Ouais, France. Attendez une seconde. Désolé. Désolé. C'est quoi ça, Orion? Une image? Je sens le pire. Je redoute le pire. Non, oh, merde. Corps à corps. Ah ah. Ah, ok. Et le fusil à pompe, t'en as rien à foutre ou pas? Ah ouais, d'accord, on a rien à foutre. Ah, ça c'est beau ça. Ah, ça va, la technologie, ça marche.
technologie fonctionne bien. J'avais demandé si c'était pas saccadé, mais en fait non, ça va. Ah, ça marche. Ah, la vache. Il s'entretue, ça tue. Baba Yaga est tellement puissante. Oh oh. Ow. Je sais pas ce que je voulais faire. Mais c'est quoi ça? Parce que j'arrive pas à... Ah, c'est des flèches. Ah, oh, wow, ok. Ah, carrément. Oh wow. Ça marche le feu ou pas? Ah huh. Ça a l'air de bien marcher. Ok, ils sont tous morts. Oh vache. C'est plutôt sympa de les combattre, j'aime bien. Ralliez les immortels à votre combat entre les trinitaires. Ah. Ok. Je sais pas si ça va influer quelque sur quoi que ce soit le fait d'allumer les feux. Ou si c'est juste un défi comme ça. J'étais pas là. Ow,
Bien joué. Me fais pas péter le... Ouais, voilà. Je crois qu'il allait me faire péter le... Le tonneau, là. La jarre. Oh merde. Ah. On peut pas du tout en fait. Ok. Par deux fois déjà, les Trinitaires ont envoyé de grands hommes chercher la voix du prophète. Et par deux fois, ces derniers se sont volatilisés. Il a soustrait la source divine à l'Empire, mais il n'en avait aucun droit. Et alors que ses descendants subsistent, les Trinitaires se doivent de laver ce blasphème ignoble. J'ai commis des péchés innommables, des crimes odieux à l'encontre d'innocents. Uniquement pour atteindre ce lieu et retrouver la source divine. Je sais que Dieu me pardonnera, car j'agis dans l'intérêt du plus grand nombre. Nous touchons au but. Il ne me reste plus qu'à survivre à l'affrontement final, et la tâche de la Trinité sera achevée. Moi. Ouais. Ça, c'est vraiment étrange. Pourquoi ? Il y a des éléments de style Sith. Mais ça ressemble à... Non, impossible. Ça ressemble à quoi ? Ok. Général, un événement étrange s'est produit cette nuit. Nous campons au-dessus de Kitej, tandis que la cité se prépare pour l'invasion. Ils pensent toujours que l'assaut viendra des hauteurs. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous attaquiez par le col, à l'autre bout de la vallée. Mais je dois vous prévenir. Sur la tour, au cœur de la cité, une chose d'un autre monde nous attend. Ok. On avance. Ça me rappelle un peu le premier Tomb Raider, non? C'était pas comme ça. À un moment, on combat des... Une sorte de monstre. Oh wow. Tout ce qu'on peut faire, c'est les ralentir un peu. On se retrouve de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en or? Ça tue? La chambre des âmes. La source divine doit être ici. Bah là, on est à la fin, non? C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité.
Bienvenue à Anorlando. Je ne sais pas comment je vais représenter un être immortel. Mais Jacob semble si... humain. Quand je pense aux choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, à ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations. Tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la Trinité s'en mêler. C'est bon ? C'est bon. Let's go ! Alors, c'est peuplé d'immortels, non ? En fait, non. En fait, pas du tout. Il y a un truc à faire avec la cloche. Les immortels surveillent les rues. Ah. Je dois rester discrète. C'est ce que je pensais. On doit détruire toutes les cloches. Oh merde. Tiens. Il y a quelque chose derrière cette barrière. Quand tu le vieilles. Faut le faire en de hauteur. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller visiter. Ça a l'air sympa. Ça va là ou... Oh la vache, non! Mort par un ours, première fois que ça m'arrive. Début à tout.
J'aurais dû lui foutre des explosifs dans la tête. Les immortels surveillent les rues. Je dois rester discrète. Non, non, non. Coupe la corde. Merci. Il est où le mec? Ah. Non, non, non. Incroyable. Le style paraît ancien, mais on voit un train. L'arrivée des soviétiques. Il y a quelque chose derrière cette barrière. C'est reparti. On va lui faire du feu et on va lui faire de l'explosif parce que lui, il me fait chier. En fait, ça marche pas très bien. Encore que je suis invincible. J'arrive pas à esquiver l'attaque, hein. Putain de merde. Ça va la vie de l'ours. Oh la vache. En gros, il faut que je m'entraîne à esquiver et contre-attaquer avec les ours, je pense. Mais ça veut pas le faire. Peut-être qu'on peut pas. Je sais pas. Bizarre. J'espère ne pas avoir le refaire, putain. Celui, il est chiant. Nouveau tombeau. Un vase en verre bleu remarquablement conservé. Je suis pas surprise que peu de ces objets soient parvenus jusqu'à nous. T'es joli. Pas descendre. Ah, il y a de l'eau. Je
j'étais pas sûr. Un pendentif en fer. Les soldats de l'Empire en attachaient parfois à leur ceinture. Où est-ce qu'on va? Des ruines englouties. Parti. Mon Dieu. C'est quoi, du soufre? Je vais devoir créer une étincelle. Possession démoniaque. Il pratiquait des exorcismes. Loin, sous le sol. Wow. Ça a l'air cool. Ça ne marche pas. Quelque chose la retient. Pas quelque chose à faire là? C'est quoi, de l'acide? Oh, tiens, ça enlève l'eau. Ah, ok. C'est bon. Bon ben, je vais attendre. Ok, ça doit être assez haut. Faire tourner, faire casse, le faire aller dans la porte peut-être. Fou. Wow, comment c'est lent. Ça m'a l'air pas mal. Voyons si ça marche. Il faut juste que j'arrive à la pousser. Ah bah avec ça.
Non ? Je suis peut-être du mauvais côté de ce truc. Ah, ok. Oh la vache. Ça devient un peu bizarre les énigmes. Donc là on va le pousser devant le souffle et après ça va le propulser normalement. Alors maintenant... Merde, trop tard, putain. Je suis en mode construction à Sanctuary Hill depuis 3 heures. Tout ça pour transformer le Patelin, une véritable forteresse avec plusieurs robots pour la défense et pour la récolte. J'ai pas encore fini les murailles. Eh ben... Tu es tombé dans la folie de la construction de Fallout 4. Allez, propulse-toi. Ça sert à quoi ça? Putain, je comprends rien du tout, qu'est-ce qui se passe? D'ouvrir cette porte. Il doit y avoir un moyen de la forcer. Je me demande combien de gens sont... J'arrive à... Ici. Lara, j'ai besoin d'aide, je comprends pas ce que tu veux faire en fait. Là, du coup, c'est plus... Il y a plus de mou. Impossible d'ouvrir cette porte. Il doit y avoir un moyen de la forcer. Il n'y a pas 36 000 combinaisons de toute façon. Non, comme ça.
Il croyait que cette grotte était un passage vers l'enfer. Tente de propulser en deux temps le bonhomme, puis enflamme le nuage vert. Ah! Ok. Bah. Si encore c'était du soufre. Alors c'était jaune, ça m'aurait venu à l'idée, mais là c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bah merci. Merci beaucoup. Un codex. Incroyable. C'est la formule du feu grégeois. Et alors ? Des flammes, des flèches incendiaires et des cocktails motum fusent plus de dégâts et sont assez vifs pour brûler l'armure des ennemis. Ah ça y est, je tire des flèches. Ouais. Je tire des flèches de feu grégeois. Pas mal. Attends, on peut se téléporter? Ouais. Salut Runtern, ça va? C'est la tenue de Baba Yaga! La sorcière! Baba Yaga la sorcière! Allez, on va franchir la porte. Des cloches pour sonner l'alarme. Je devrais les détruire. Je veux vraiment toutes les faire. Putain. Je sais pas où je vais. Yes. C'est quoi, de la cire ça? Tu as de la cire. C'est de la glace. Où est-ce que je vais? Je sais pas.
Le 2 est cool, ouais. Bah, y a peu de différence entre le 1 et le 2, juste il y a un peu plus de survie. En fait, y a un petit gameplay survie dans le deuxième, qu'il n'y a pas dans le premier. Waouh! Ils sont énervés, les mecs. Il me tire dessus. Je peux peut-être m'en servir pour enfoncer cette porte. Eh, reviens. Hop là. Je peux te tuer. Ouais, puis merde. Oh la vache, le mec. Oh oh. Le sac contient. J'ai pas le temps. Non, c'est là. Il y avait un truc sur la droite, je sais pas ce que c'était. Mec qui arrive, je crois. Il y a des mecs qui arrivent. Putain, putain. Bien joué, connard. Ah. Franchement, c'est pratique le feu Grégoire. Là. Je sais pas quoi. Cool. Là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on la tourne? Oh merde. Violent lui. Merde, il est en bas. Ouais, il remontera. Putain. Ah.
Il faut que j'enfonce cette porte. Aou. Ça devrait être bon. Alors feu. Dans le mille. Des baies. De lecture. Dieu me met à l'épreuve. J'ai récupéré des armes et des outils. Cool. Ces bannières, l'insigne de l'armée des immortels. J'ai bien dû entendre cette histoire une dizaine de fois. T'as un peu une histoire. Toujours pas. Une histoire de merde quand même. J'aurais aimé que ça dure. Un peu pourri J'aurais cette histoire. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.